Bonjour, je suis Damien Tellier, professeur de philosophie et je suis aussi président de l'Institut Copé. Je vais vous parler aujourd'hui d'un philosophe et d'un économiste un petit peu oublié de nos jours qui s'appelle Jean-Baptiste Say. Alors, tout le monde a entendu quand même ce nom, Jean-Baptiste Say, c'est quand même un grand nom de l'économie française, de l'école du 19e siècle. C'est quelqu'un qui est en fait à la charnière entre les Lumières et puis l'école française du 19e. Il a écrit son traité d'économie politique en 1803, c'est un chef-d'œuvre. Il récapitule tout ce qui a été fait déjà avant lui, c'est-à-dire les physiocrates, Condillac, évidemment Adam Smith. Et en même temps, ce traité, il a donné une impulsion très, très forte à la pensée philosophique, sociale et économique. On va retrouver les influences de ce traité à travers des penseurs comme Bastiat, et puis tous les disciples de Bastiat, que ce soit Gustave de Molinari, que ce soit Frédéric Passy, Henri Baudrillard, jusqu'à Yves Guyot au début du XXe siècle. Jean-Baptiste Say est d'abord un philosophe, comme beaucoup d'ailleurs, beaucoup d'économistes. Adam Smith, on sait bien, était philosophe, Karl Marx était philosophe. Il avait 22 ans au moment de la Révolution française. Il a commencé comme journaliste, donc il a écrit d'abord des petits articles, notamment sur la liberté de la presse, et puis il est devenu rédacteur en chef d'une revue qui s'appelait La Décade philosophique. En 1800, il a écrit un premier livre qui s'appelle Holby, une sorte de conte philosophique sur la manière de réformer les mœurs. Et puis c'est en 1803 qu'il publie son grand traité, en tout cas la première édition de son grand traité, qui s'appelle le traité d'économie politique. Alors ce traité, il est difficile à trouver. Vous voyez, il y a les œuvres complètes de Jean-Baptiste Say en 10 volumes. Là, vous avez un volume, ce sont les œuvres morales et politiques. Donc le premier volume, c'est le traité d'économie politique. Alors ce traité, en fait, on l'a numérisé et on peut le trouver, le télécharger sur le site de l'Institut Copé. C'est son cours d'économie politique et quelques essais comme le catéchisme. À l'époque, c'était à la mode, le catéchisme d'économie politique, les cours à l'Athénée. Ici, vous avez un petit recueil, une anthologie des classiques de l'économie avec Malthus, Ricardo et des lettres de Jean-Baptiste Say. Et puis ça, c'est pour démarrer un petit peu, connaître un petit peu le contexte. C'est une très bonne biographie intellectuelle de Jean-Baptiste Say par Gérard Minard aux éditions Charles Coquelin. Ça, c'est plus technique, c'est le travail d'un économiste américain qui s'appelle Thomas Sowell, La loi de Say, qui est publié chez Litech. Alors quand on a lu un petit peu Bastiat, quand on lit Jean-Baptiste Say par la suite, eh bien on est frappé, on est même fasciné de voir que tout ce que Bastiat a écrit était déjà évidemment plus ou moins déjà présent chez Jean-Baptiste Say, tous les grands thèmes de Bastiat. Alors c'est normal puisque Bastiat le dit très fréquemment, c'est Jean-Baptiste Say qui lui a donné sa formation intellectuelle, sa formation philosophique et économique. Jean-Baptiste Say est un philosophe, d'abord, sa première grande réflexion, c'est une réflexion sur la morale. Hein, c'est le fameux petit conte philosophique, Holby. Là, il dit, il y a deux grands fondements de la morale. Hein. Le premier, c'est la responsabilité individuelle, et le deuxième, c'est la prospérité. Or, la responsabilité individuelle, elle relève des familles, elle relève de l'éducation. Mais les familles, pour pouvoir transmettre les valeurs, ont besoin d'une certaine prospérité. Donc, en fait, la prospérité, c'est le soubassement de la famille et donc de la vie morale. Et donc Jean-Baptiste Say conclut en disant que si un peuple a besoin d'une morale sociale, eh bien c'est un traité d'économie politique qu'il lui faut. Et donc ce traité d'économie politique, je vais vous en donner quelques grands thèmes. Évidemment, le sujet de fond, c'est la prospérité, justement. Donc c'est-à-dire la richesse. Comment la richesse se crée, comment elle se distribue. Bon, ça, c'est un peu moins son sujet. Il l'aborde, enfin, rapidement, mais c'est surtout la création de richesse. Hein. Donc c'était le thème d'Adam Smith, déjà. Et c'est vrai que Jean-Baptiste Say est redevable à Adam Smith. Il a compris un certain nombre de choses, notamment il a compris que le mercantilisme, ça ne marchait pas. C'est-à-dire cette idée qu'il suffit d'accumuler de la monnaie, d'accumuler de l'argent et de l'or, et puis de dépenser pour que la richesse croisse. Et cela a été réfuté de manière magistrale par Adam Smith, et ça, Jean-Baptiste Say, eh bien, l'assume complètement. Cela dit, il prend ses distances aussi par rapport à Adam Smith, parce que Adam Smith pensait que la source de la valeur, c'était le travail. Jean-Baptiste Say, là-dessus, n'est pas d'accord, et il utilise l'apport de Condillac, notamment, pour dire non, la source de la valeur, c'est l'utilité. Et donc, il ne faut pas se focaliser uniquement sur le travail, même si la division du travail, bien entendu,
est un point qu'on ne peut pas négliger, ainsi que l'épargne d'ailleurs. Mais le point fondamental pour Jean-Baptiste C, c'est la production, c'est-à-dire c'est la création de valeur. Et pour lui, la valeur, c'est l'utilité. Donc l'utilité, c'est l'entrepreneur qui a le génie de découvrir ce qui peut satisfaire les besoins, ce qui peut être utile, et donc c'est lui qui crée la valeur. Alors il n'y a pas que l'entrepreneur, il y a aussi tous les producteurs qui participent à cette création de valeur, et ça va même jusqu'aux savants. Hein, même les savants, les intellectuels, les professeurs, les enseignants sont aussi des producteurs. Autrement dit, la production n'est pas simplement quelque chose de matériel. Le tort d'Adam Smith, c'est qu'il avait tout réduit au travail manuel. Mais le travail intellectuel et le simple fait de réfléchir, d'étudier le marché, de comprendre quels sont les besoins, etc., tout ça est productif et tout ça contribue à la valeur. Donc, il prend ses distances par rapport à Adam Smith et puis par rapport aussi à Ricardo Malthus, c'est-à-dire à l'école anglaise, qui était une école très pessimiste. Notamment Malthus, il a échangé beaucoup de lettres avec Malthus. Malthus pensait que eh bien, plus il y aurait de population et plus la richesse allait, allait s'effondrer. Jean-Baptiste C ne dit pas du tout. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est surtout qu'il faut produire davantage. Et donc, il faut à ce moment-là que les entrepreneurs eh bien, soient libres de pouvoir créer de la valeur, soit libre de pouvoir allouer les ressources, de pouvoir investir, de pouvoir recruter, enfin bon. Et donc il faut que l'État favorise et ne fasse pas obstacle justement à cette production et à cette création de valeur. Donc on va retrouver évidemment donc, dans le traité d'économie politique toute l'analyse de l'État et d'un État qui soit minimal. Et puis Jean-Baptiste C va poser les fondements de ce qu'on va appeler ensuite l'analyse libérale des classes sociales. C'est-à-dire qu'il va expliquer qu'il y a finalement deux grandes classes, hein, la classe productive et la classe improductive, que ces deux classes sont en lutte, sont en conflit depuis toujours. Hein, il y a ceux qui produisent les richesses et puis ceux qui les prélèvent, qui donc spolient cette richesse par différentes manières, par la guerre, évidemment, qui est la première source de spoliation, par le protectionnisme, par la manipulation de la monnaie, etc. À propos de la monnaie, justement, ça c'est un point sur lequel Jean-Baptiste C a beaucoup insisté à la suite d'Adam Smith. La monnaie n'est qu'un voile, la monnaie n'est qu'un intermédiaire des échanges. Ce qui compte avant tout, c'est qu'on échange des produits contre des produits. On n'échange pas des produits contre de la monnaie. Le boulanger échange du pain contre des chaussures, par exemple, avec le cordonnier. Et ce qu'il veut, c'est pas de l'argent. Ce qu'il veut, c'est des chaussures. Et inversement, le cordonnier, ce qu'il veut, c'est pas de l'argent, c'est du pain. La monnaie n'est jamais qu'un trompe-l'œil, finalement. Et souvent, les politiciens se focalisent sur la monnaie et pensent que leur rôle, c'est justement de pratiquer une politique monétaire, par exemple, d'augmenter la masse monétaire, de la réduire, etc. Et Jean-Baptiste C dit que c'est pas le problème. Le problème des crises, parce qu'il y a des crises, effectivement, le problème des crises, c'est souvent qu'il y a une mauvaise allocation des ressources. Et donc là, il y a déjà aussi chez Jean-Baptiste C ce qu'on va trouver par la suite dans l'école autrichienne, par exemple chez Menger, chez Mises, puis chez Hayek. D'abord, la première chose, c'est que la valeur est subjective. Hein, ça, c'est le premier point. Ça a été repris par Menger, qui l'a fort bien expliqué. Et ça nous donne toute une philosophie sociale pour laquelle la compréhension de la société passe par la compréhension des acteurs, c'est-à-dire des entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui agissent. Donc finalement, Jean-Baptiste C a mis au centre de sa réflexion l'action humaine. Hein, et c'est quelque chose qu'on va évidemment trouver aussi chez Ludwig von Mises sous l'appellation de la praxéologie. Alors pour conclure ce petit aperçu et pour vous donner envie d'aller le lire, je voudrais terminer quand même sur sa vie, parce que Jean-Baptiste C a eu une vie assez fascinante. C'était quelqu'un d'extrêmement intransigeant. Au départ, il a cru, comme beaucoup de sa génération, que Napoléon Bonaparte serait un peu le Washington français. Il a soutenu Bonaparte au début. Il a été nommé au tribunal. Le tribunal, c'était une des assemblées qui était chargée de faire des lois. Et quand il a publié son traité d'économie politique, Napoléon lui a demandé de rectifier certaines choses. Notamment, Napoléon voulait faire une politique protectionniste axée sur la guerre, et Jean-Baptiste C a refusé tout net
À la suite de quoi il a été viré tout simplement du tribunat. Il a quitté la politique, il a arrêté définitivement de faire la politique. D'abord, il avait besoin de nourrir sa famille, donc il a fondé une entreprise de filature de coton dans le nord de la France, et il comptait beaucoup sur les échanges avec l'Angleterre. Malheureusement, le blocus continental a fait que son entreprise a bien marché au début, puis a fait faillite. Et du coup, il s'est concentré après sur ses travaux d'économiste. La première chaire d'économie politique de l'histoire de France a été créée pour lui au Collège de France. Et il a terminé ses dernières années donc, comme professeur au Collège de France. Tous ses successeurs dans cette chaire seront des disciples de Jean-Baptiste Say. Voilà, si vous voulez donc en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à passer sur le site de l'Institut Copé. Vous y trouverez le traité d'économie politique. Vous y trouverez aussi tous les devanciers de Jean-Baptiste Say, par exemple Condillac, des proches comme Destutt de Tracy. J'espère vous revoir bientôt pour un nouveau podcast. Merci.